Bimtiaz, Kader Kbelendel Bidaib Aitfana, la première convocation avec l'équipe nationale, comment vous voyez cette convocation? Je suis très heureux déjà d'être ici pour la première fois en sélection. Et voilà, c'est une grande joie et une grande fierté. Et aujourd'hui, dans ce stade de Marrakech, j'espère qu'on va faire un bon match et qu'on va proposer du beau spectacle. Comment vous voyez l'atmosphère de l'équipe nationale? Et tout d'abord, félicitations pour le championnat français. Merci, c'est gentil. L'atmosphère, ça se passe très bien. Il y a une très bonne ambiance dans le groupe. Younes, il m'a bien intégré à l'équipe et alhamdoulilah, ça se passe très bien. Et même s'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il y a une très bonne ambiance et j'espère qu'on va le montrer sur le terrain. Merci beaucoup, merci Aitfana. Younes, être meilleur joueur en France, c'est pas facile quand même. Félicitations et félicitations pour le championnat français. Ouais, merci, c'est gentil. Mais après, meilleur joueur, après c'est l'équipe qui a fait le travail aussi. Donc voilà, c'est un travail d'un groupe. Oui. Aujourd'hui, on a un match préparatif avant de rentrer dans les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2014. Comment vous voyez le parcours de l'équipe nationale et la préparation en général? C'est un match comme il y a en Afrique. Voilà, c'est une bonne équipe du Sénégal. Elle a fait le même parcours que nous en Coupe d'Afrique. Donc voilà, c'est un match test ce soir pour entrer avant de jouer contre la Gambie là-bas. Donc voilà, il y a le match de Gambie et le match de Côte d'Ivoire qui sont pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, ce soir, il va falloir faire un bon match. Et concernant un truc personnel pour Belinda, on va voir Belinda avec Montpellier l'année prochaine? Franchement, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je suis sous contrat jusqu'en 2014, donc voilà. Pas d'offres? Pas d'offres. Merci Belinda, merci Aitfana. إذن كان الحديث رفقة أبطال الدوري الفرنسي عن المنتخب الوطني المغربي. تحدثنا مع إتفانا، تحدث عن المنتخب الوطني المغربي، عن سعادته بالالتحاق بالأسود كأول دعوة وجهت له من الناخب الوطني جريس. تحدثنا كذلك مع يونس بلاندا نجم المنتخب الوطني المغربي والذي يعي جيدا مدى أهمية المباريات القادمة والاستعداد للمباريات القادمة والمؤهلة إلى كأس العالم 2014.